garder de côté. J'ai oublié les petits lardons. Les petits lardons. Les petits lardons qui vont saler ma galette. Nous, on part à Las Vegas. Ah ouais, et carrément. On veut montrer à ces Américains voilà, qu'on mange de la galette. Ce que c'est que de la galette bretonne. Voilà, ce que c'est que de la vraie galette. Super. Hein voilà. Alors, on va regarder le chef Pierre maintenant. Alors le chef, il fait quoi lui? Il invente quoi? Oh, je fais de la galette normale. De la galette normale? Pour des gens normaux? Exactement. Ce que je voulais vous dire, monsieur Leroy, si vous aviez été sur notre site, vous auriez vu les vidéos que Catherine a faites. Et je vous ai envoyé la balle. Et tu parles de l'héroïque dedans? Jamais. Non. Je les ai vus. C'est vrai? Et tu m'as dit, promis, je te ferai une vidéo. Je dis, mais voilà, et tu l'as jamais promis, fait. Promis, on l'a fait quand je rentre avec Catherine, avec mon diplôme. Topless? Yes. Pour Catherine? Non. T'as pas de fils. Et ta sœur? Elle est grosse. Ça fait, t'es venu te former il y a 2 ans exactement. Septembre 2016. Et donc depuis 1 an, t'es installé à Las Vegas. Depuis moi 1 an et demi, je suis installé et on a ouvert depuis le 1er mars 2017. D'accord. 2018. D'accord. C'était ton aventure américaine. Exact. Et vous êtes combien de salariés? Moi, Catherine, et on a 2, 3 ou 4 personnes le week-end. Voilà. Et la semaine, on travaille souvent moi et Catherine. Ouais. Ah, c'est bien. Hein. Ouais. Donc c'est sûr que c'est pas les crêpes qu'on fait à Brazelton. Ça n'a rien à voir, on a quand même la saveur, la vraie saveur de la crêpe. Ouais. Qu'à Brazelton, il n'y a pas grand chose. Oui, il va être content d'entendre ça. C'est pour ça aussi. Mais que je t'aime Yannick, hein. Ça n'empêche pas que je t'aime. Hein. Donc Jean-Jacques, t'es passé par l'école Leroyque il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en septembre 2016. Et déjà à cette époque-là, est-ce que tu allais bien? J'avais des petits problèmes, mais depuis que je suis à Vegas avec la chaleur, mon médecin m'a dit que ça s'est empiré. D'accord. Par contre, tu abrites toujours autant tes oreilles contre les coups de soleil de Death Valley. Exactement, Death Valley, la vallée de la mort. Ouais. Mais là, on part s'installer au Groenland et il m'a dit que ça devrait faire du bien, ça va rafraîchir un petit peu tout ça. D'accord. Et autrement, tu prends toujours le même nombre de pilules le matin ou... Non, il m'a augmenté. T'as augmenté. Je suis à 10 le matin et 5 le soir. Et ça t'a pas inquiété? Non. Lui, oui. Lui, oui.